chaleureuse bienvenue au ministre des Finances. La question est la suivante. Les populations et concitoyens veulent savoir ce qu'il en est de la gestion des recettes en provenance des péages routiers. Par ailleurs, où en est-on avec le projet de péage informatisé? Pour terminer, l'impression qui se dégage est que ce sont les usagers les moins nantis qui sont soumis à l'exigence systématique du péage, alors que les usagers plus nantis auront desquels les autorités de l'État, les autorités administratives à bord des CA, ainsi que les forces de maintien de l'ordre de sécurité, violent délibérément l'obligation de s'appliquer du droit de péage. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, si c'est une instruction du ministère des Finances ou du gouvernement en général pour favoriser une catégorie d'usagers. Cette tolérance, pour certains, ne peut-elle pas une injustice et un préjudice au détriment du recouvrement des recettes de l'État? Au moment même où notre pays traverse une crise sévère due à la survenance du Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec un grand besoin de toutes ces recettes pour le financement de l'économie et la promotion de notre développement. Si vous me laissez la parole, je voudrais remercier les sénateurs pour les, non seulement les questions qu'ils ont posées, mais aussi pour les mots aimables prononcés à l'endroit du gouvernement à travers le ministère des Finances. Pour revenir aux questions proprement dites, le sénateur Pomoni a surtout parlé des péages. Il a demandé comment se fait la gestion des recettes. Les recettes de péage sont gérées comme toutes les recettes. C'est-à-dire lorsqu'elles sont avancées, elles sont reversées au trésor public, compte tenu du trésor. Il se fait seulement que le ministère des Finances alloue au fonds routier 5 milliards. À moi, ce qui fait en gros 60 milliards au terme de l'exercice. Vous avez également demandé où est-ce qu'on en est avec les péages informatisés. Il se fait effectivement que le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, pardon, les trois ministères, viennent de signer avec un partenaire qui va construire les 10 postes de péage. On a d'abord fait la liste. Les quelques postes de péage les plus importants, les travaux vont commencer par cela pour s'étendre par la suite aux autres. Et enfin, sénateur Pomoni, vous avez laissé dire croire que seuls les moins nantis payent le péage alors que les autorités ne payent pas. Nous n'avons pas cette information à notre niveau. Bien sûr, nous savons que, s'agissant par exemple des FMO, les forces de maintien de l'ordre, les ambulances, ils ne payent pas le péage. Tout à fait normal. Mais je crois que vous voulez surtout parler des cortèges qui nous est déjà arrivé. Nous-mêmes, d'être dans un cortège, alors que nous, on a toujours des dispositions sans prise pour payer, nous, on lève, que je passe. Hein. Vous voulez que je fasse, je ne veux pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aucune disposition n'a été prise au niveau du gouvernement pour dire les autorités. Donc ça ne veut rien dire. Alors ceux qui sont commis à ce travail, il faut qu'ils fassent leur travail. Hein. Les ministres, les préfets, les gouverneurs n'ont jamais dit je ne veux pas payer, s'il faut faire payer, faites payer.